Son qu'on a bien entendu parler de rue ça qui relie rue Monseigneur Guillou. Et est-ce que tu connais histoire qui cache des noms rue ça? Et bien dans vidéo ça, moi pral mené nous à découvrir qui est-ce que Guillou lui-même l'était et qui gens que il t'a pral fait juste pour lui capable atterrir dans pays d'Haïti. Tout détail dans vidéo ça. Pas oublier suivre nous sur pas trop fait ça, c'est seule façon que capable rester connecté à toute vidéo que n'a porté pour vous. N'a pas connait que Alexis Jean-Marie Guillou, il était fait dans date qui était 5 juin 1819 là, Ploermel, une commune dans pays la France. C'était un pasteur français et puis évêque de l'archidiocèse catholique romain. Il était ordonné prêtre dans date 15 mars 1843 et il était nommé évêque le 27 juin 1870. Il après mourir jour qui était samedi 24 octobre 1885. Jeune orphelin Alexis Jean-Marie Guillou, avec un frère et puis deux sœurs li, eh bien, yo t'a pral élevé par yon tonton yo et puis yon ma tante yo. Et famille maternelle li te gen origine Moron. Moron qui c'est une commune dans le pays la France. Et dans l'âge 16 ans, li te l'école collège Saint-Martin de Rennes et il t'a pral passer baccalauréat également dans l'école ça. 3 ans après, li te rentré dans séminaire de Vannes. Li te kon bay cours particulier dans latin, grec, algèbre et puis histoire. En 1864, congrégation a été reçue fois une visite de Monseigneur Martial Testard du Cousquer et Papi IX lui-même, li t'a pral voyer dans pays d'Haïti juste pour li capable mettre en place une organisation diocésaine et puis fonder établissement scolaire. Gen en pile moun k'ap besoin gen une idée de Papi IX. Et bien Papi IX lui-même qui t'a gen nom qui c'est Giovanni Maria Mastri Ferretti, c'était 255e pape l'Église catholique. Il était élu dans date qui était 16 juin 1846 là sous nom Pi IX et il t'a pas régné pendant 31 ans. Ça qui fait de pape ça, you n'a pape qui fait plus temps après régner dans histoire. Et Alexis Guillou lui-même, il t'a pas venir vicaire général archevêque pour Port-au-Prince là, là nous parlons de vicaire. Vicaire là, c'est monde qui a exercé deuxième fonction ecclésiastique là. C'est lui-même qui est le vicaire là. Dès première année là, te gagné 300 élèves haïtiens qui t'est arrivé présenté. Ouverture de la suite a pas commencé. 3 ans après, Monseigneur Testard du Cousquer est parti pour Rome et il t'a pas mourir dans date qui était 27 juillet 1869 là. Choix de successeur lui est arrivé fait par proche collaborateur Lio et c'est Alexis Guillou qui t'a pas arrivé désigné. Et Alexis Guillou lui-même t'a pas retourner dans pays la France juste pour être capable consacrer en tant que évêque. Cérémonie sa li même li t'a pral déroulé dans l'église de Ploermel là le 25 janvier 1871 sous égide Monseigneur Bessel. Quelques mois après, soit en août, Alexis Guillou li même li t'est reparti pour prendre officiellement fonction li à Port-au-Prince. Et bon côté Alexis, t'es gagné vicaire général Constant Mathurin Ilion, nouvel archevêque là t'est organisé un diocèse et puis nommé disciple premier évêque cap-haïtien en 1874. Deux ecclésiastiques yo t'est travaillé 10 ans ensemble. Et Monseigneur Guillou t'a pral passé de vie au trépas dans date qui était 24 octobre 1885 là et puis Constant Mathurin Ilion lui-même li t'a pral succéder étant que évêque. C'est comme ça que histoire Monseigneur Guillou a lui-même l'était, c'est une des raisons qui cause que rue ça lui-même li porte nom rue Monseigneur Guillou. Dis-nous en commentaire, est-ce que tu es déjà connu qui histoire qui t'est caché derrière rue Monseigneur Guillou? Bien que moi connais que en pile dans nous toujours à dire oui Monseigneur Guillou, toujours à passer la dalle, utiliser oui ça, mais ou pas de chambre qu'on est qui histoire qui t'est caché de Monseigneur Guillou.